Ok, salut tout le monde. Séance de maniement en matos. On a besoin de trois palets, d'accord, qui vont faire les, qui vont nous permettre de faire les éducatifs. Et soit le palet vert de maniement, soit une balle en bois, selon le sol que vous avez. Votre crosse, forcément, et puis les gants. Hein, on le dit à chaque fois, c'est mieux de faire tous les exercices de maniement avec les gants. Pour avoir la bonne prévention sur la crosse. On va travailler le premier, les premiers éducatifs, c'est plus des routines de d'échauffement ou de mise en place. Donc, c'est des choses qu'on a déjà fait. Par contre, il faut que ce soit, faut que vous soyez très concentré sur la mise en place, sur votre position, donc position de base bien fléchie, les mains bien dégagées, les mouvements. Fluide, d'accord. Donc on va juste être sur un transfert donc de l'arrière vers l'avant et latéral, d'accord. L'important c'est qu'il y a un petit transfert de poids quand je suis sur mon latéral. Donc je fais pas un carré, donc l'arrière en avant, là je suis plutôt sur ma jambe gauche, ici côté palais, et ici je transfère. Ok. Il n'y a pas de dribble, d'accord. C'est juste transport de puck, blocage, échange de direction. Donc pendant 40 secondes, et puis on fait 20 secondes de repos. On va le faire, j'avais fait 3 fois de chaque côté. Ça marche? Ok, en place. Tout le monde est prêt. Allumez les caméras, là. Il y en a en plus, on le sait, que vous avez les caméras. Lucas, tu as une caméra, c'est sûr. On t'a déjà vu. Loan aussi. Et logiquement, enfin, si vous êtes sur une tablette, si vous êtes sur un téléphone, il doit y avoir la caméra. C'est plus facile pour nous pour voir. Ok, 3, 2, 1, top. Vous regardez, il faut aller plus vite que ça, Eli. Hein, faut essayer d'aller aussi vite que moi. Ok, repos. J'ai du mal à expliquer. Alessandro, il n'y a que du frontal ou il y a autre chose? Je te vois faire que ça là. D'accord? C'est pas ce que je montre. D'accord? Donc c'est, je pars de derrière mes pieds. Il y a de à côté de moi et après en angle droit devant, ok, puis je reviens rapidement, d'accord. C'est dynamique, hein, je veux pas voir ça là, d'accord. Là on travaille pas, d'accord. Faut que ce soit dynamique ici, hop, transfert, hop, je reviens. Ça marche, ça roule, tout le monde dynamique, bien positionné. On fait les trois du côté coup droit. Attention, 3, 2, 1, top. Ah, le compteur n'est pas parti, Mika. Encore 10 secondes. Ok, repos. Non, pas de souci. Ok, pour mettre de la vitesse, là. Timéo, tu n'as pas tes gants? Pour mettre de la vitesse, là, à peu près, moi, sur 40 secondes. Je dois le faire une quinzaine de fois, le cycle complet. Donc le cycle ici, de derrière, devant, côté, je reviens et je viens derrière, je le fais 15 fois à peu près en 40 secondes. Donc c'est ce que vous devez faire aussi. Ok?
ou peut-être plus, si vous êtes plus rapide que moi. Donc comptez dans votre tête, quand vous faites un cycle complet, ceux qui feront moins de 15, il y aura un gage. Attention, en place. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ceux qu'on fait moins de 15, c'est 3 sauts groupés. Ok, en enchaînant. Tout à l'heure, j'ai vu moi sur la vidéo qu'il y en avait qui avaient du mal à faire l'enchaînement. Voilà, commencez par 2-3 enchaînements, puis après vous ferez tout pendant 40 secondes. Ok, Mika, vous avez fait le dessin du mouvement qu'il y a à faire, d'accord? Donc, ok, alors, j'ai pas suivi le trait, mais j'ai quand même pas mal d'amplitude. On va repasser côté revers, sur le même principe. Donc le premier, on n'est pas en défi, hein. Le premier, il faut le faire correctement. Ok. Tout droit ici. Latéral, je reviens, je redescends en bas. Sans tourner mes pieds. Ça roule? Non, c'est pas mal, ça va. Donc... mettez pas forcément de la vitesse pour le moment, là faut le faire juste très correctement. 3, 2, 1, top. Ok, repos. Il y en a quelques-uns où je vois pas de transfert de poids. D'accord. Si je veux être dynamique, il faut que je puisse passer ici, côté palais, à rapidement l'autre côté pour pouvoir repousser sur ma jambe et revenir de l'autre côté. Si je suis droit comme ça et que je travaille juste avec mes bras, alors c'est sûr que le palais il fait la trajectoire. Mais il n'y a pas de possibilité de changement de rythme, il n'y a pas de possibilité d'accélérer le geste. Du coup, ça ne vous servira à rien sur la glace. Ok, deuxième passage. On s'applique sur le transfert de poids. Ok, on se met pas un coup de crosse tout seul. C'est-à-dire que sa crosse, on la tient comme ça. On ne se met pas des coups dans la tête, Alessandro. Ok, attention. 3, 2, 1, top. Pensez au transfert de poids. Fléchis tes jambes, Alessandro. Transfère le poids de ta jambe droite à ta jambe gauche. Ça fait bien un angle droit, hein, Jordan. Entre les deux lignes, là, c'est bien un angle droit. Il n'y a pas d'arrondi. Le palais ne finit pas devant le pied. Ok, repos. Alors, regarde le dessin que fait Mika, Jordan. D'accord. Le palais, il est loin de moi. D'accord. Le trait, il est loin ici. Et le palais, il n'est pas devant mon pied. D'accord.
Et après, je peux aller le chercher et venir sur le côté. Donc là, je viens loin de mon pied, loin de mon pied. Et il y en a pas mal qui finissent ici, là, d'accord? Voilà, j'ai déjà vachement moins d'amplitude. Et puis, je vais être obligé de coulisser ma main parce que le palais s'est rapproché de mon pied, d'accord? Donc non, je suis loin. Ça roule. Ok, là, on doit en faire 15, 15 en 40 secondes. Moi, j'annonce quand j'en ai fait un, donc il faut essayer d'être dans le même rythme que moi. Ok, attention. 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, tout le monde a fait 15? Ah, vous êtes bon, hein? Moi, je trouve ça difficile de faire 15. Ok, on a fait 3 fois de chaque côté, on a fait. Ok, ça roule. On va passer sur le deuxième exo. C'est aussi de la routine. Donc, c'est drip frontal cette fois-ci sur une jambe. Ok, donc jambe gauche, 40 secondes. Et je ne dois pas perdre l'équilibre. Si je perds l'équilibre, c'est-à-dire si je pose un deuxième pied par terre, ou si je suis obligé, soit je pose mon deuxième pied par terre, c'est un gage, soit je suis obligé de sautiller, d'accord? C'est aussi un gage. Ça marche? C'est 5 pompes. Et on les fait à la fin. D'accord? Donc si pendant les 40 secondes, vous posez deux fois le pied droit sur le sol, à la fin, ça fait 10 pompes. Attention de ne pas t'assommer avec ta crosse, Alessandro. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Je suis sur la jambe gauche. Top, c'est parti. Go. Je vous regarde. Veux pas voir. Oh là, Gabriel, t'as posé ton pied. Levez le pied. Ah, le chrono est pas parti, c'est pas grave. Ouais, je l'ai en bas. Il reste 10 secondes. Ouais, 5 secondes. Ok, repos. Ceux qui ont posé le pied ou ceux qui ont sautillé, vous faites vos pompes. 5 ou 10 pompes. Vous jouez le jeu, hein, vous savez, hein, vous savez vous si vous avez fait une erreur ou pas. Ok. Le prochain, c'est pied droit. Et le dribble, d'accord? Mika l'a mis aussi, c'est un dribble frontal. Plutôt court, d'accord? Donc par contre. C'est pas ici, hein. C'est pas en latéral, c'est frontal, court, ça roule. Le pied, il n'est pas au ras du sol, d'accord? Il est levé. Regardez, on voit mon genou, puis j'ai plié ma jambe, d'accord? Attention, on se met en place. 3, 2, 1, top! Bon, je fais 5 pompes. Je me suis aidé de ma crosse pour me retenir. J'ai pas le droit non plus. Allez, rapide, rapide au niveau des mains. Ok, repos. Je fais mes 5 pompes.
Donc on n'a pas le droit de poser l'autre pied, on n'a pas le droit de sautiller, et on n'a pas le droit non plus, quand on est déséquilibré, de s'appuyer sur la crosse pour se relever, d'accord ? Donc si vous utilisez la crosse comme point d'appui, c'est un gage aussi. Ça roule ? On repasse au pied gauche. Ok, cette fois-ci, la jambe libre, elle va basculer d'avant en arrière, d'accord ? Donc ça crée une difficulté supplémentaire pour l'équilibre d'avant en arrière au niveau de la jambe. C'est bon ? Attention, 3, 2, 1, stop ! Ok, je vous regarde. T'es en frontal là, Alessandro? Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Par contre, t'es pas fléchi non plus. Hein. Voilà. Ok, repos. Donc je réexplique. Pourtant, il y a tous les traits. Hein. Je comprends pas que tu vois pas, Alessandro. Le dribble, il est frontal, d'accord ? Frontal, de gauche à droite, devant tes pieds. Ça, c'est l'exercice, je le montre. Et toi, tu dribbles ici, là. C'est pas du tout ça, là. Ok ? Devant toi, dribble court, avec la jambe, devant, derrière. Ça roule ? C'est compris ? Yes ? Ouais, il a mis une croix. Donc, on n'a pas le droit de dribbler à gauche, on n'a pas le droit de dribbler à droite. On n'a pas le droit de dribbler dans son dos. On a le droit de dribbler devant soi. Ok, je suis en appui sur ma jambe droite. Je suis fléchi. Ok, j'ai la jambe gauche qui bascule. Et c'est dribble court devant. 3, 2, 1, top. Allez, allez, on y va jusqu'au bout. Ouais, Gabriel, c'est ça. Monte le moins haut de ton pied devant. C'est vraiment juste qu'il y a un petit déséquilibre. C'est pas forcé d'aller chercher très loin, devant ou derrière. Ok, repos, pardon. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider à compenser le déséquilibre, vous savez ou pas? Vous pouvez me le montrer sur l'image. Ouais, la flexion, d'accord. La flexion de votre genou, d'accord. C'est ce qui va vous permettre ici de récupérer le déséquilibre. Si vous êtes tendu, le moindre déséquilibre va vous mettre en grande difficulté. Et après, ça va être votre gainage qui va vous permettre de compenser aussi les petits déséquilibres. Mais forcément, la flexion, elle est très importante. Hein ? Ouais. Donc ici, si je suis là, bien fléchi, okay, ma jambe peut partir dans tous les sens, j'arrive à retenir. D'accord. Si je suis tendu, c'est beaucoup plus difficile. Ok ? Faut jouer avec le haut du corps. Ok. Alors on a fait jambe droite là. On a fait les deux jambes. Ok. Maintenant, donc on est sur jambe gauche. Et le déséquilibre, il est gauche et droite au niveau de la jambe. D'accord? C'est bon? Ok. Donc je refais dans le même sens que le dribble pour Alessandro. Donc la jambe, elle fait gauche, droite, la jambe droite, et ici, je suis sur mon dribble.
C'est bon? Ok. Jambe gauche fléchie. 3, 2, 1, top, c'est parti. Ah, je fais 5 pompes. Et je vais vous regarder. Mathéa ou Manoli, il faudra penser à mettre des chaussures sur les séances. Là, je vois que tes pieds nus. Ok, Tristan, ça fera 5 pompes. Pas grave, hein. Justement, hein, si vous perdez l'équilibre, c'est qu'il y a des petits éléments qui sont intéressants à travailler pour vous. Repos, pardon. Ok, repos. Faites vos pompes. Ok. Et le prochain, donc on est en appui sur la jambe droite. Appui sur la jambe droite. Cette fois-ci, la jambe gauche, c'est de gauche à droite, mais derrière. D'accord? Ça va être plus facile parce que la flexion de la jambe nous gênait un petit peu devant. Ça roule. Attention. 3, 2, 1, top. C'est plus facile, c'est vite dit. Ouais, faut que je fasse 10 pompes, moi, déjà. Ouais, derrière la jambe d'appui, Obi. La jambe gauche. Fais-la passer derrière ta jambe d'appui. Ouais. Derrière. L'autre derrière. Yes. Voilà. Ok, repos. Ok, ça marche. Faites vos pompes. Ah oui, mais c'est 11 déjà. Waouh. Et bon, on va directement passer sur le défi. Ok, il reste 3 minutes. Prenez un palet. Le défi, je crois qu'on l'a fait la semaine dernière avec vous. D'accord, c'est. J'ai le palet sur ma palette. Je le lance. Je dois le rattraper sur le manche. Ok? Il doit rester. Il doit rester collé sur le manche. Ça marche? On a 40 secondes pour faire ça. Donc vous comptez le nombre de fois où vous réussissez. OK? Et après, on aura 35 secondes et 30 secondes. Chaque fois qu'on fait moins bien, on a un gage. C'est bon, tout le monde a compris? Donc, ce que je veux, je vais essayer de vous le montrer une dernière fois, sinon après je le pose. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, le palet, il soit comme ça sur votre manche. Ça roule? C'est bon, Obi? Sur le manche, posé. D'accord? Ok, 40 secondes. Défi. Attention. 3, 2, 1, top. Yes. Un pour moi. Ah. Ok, c'est fini. Moi, j'ai réussi une fois. Ok, donc gardez votre score. Ok, et là on va avoir 35 secondes. On est obligé de faire mieux. D'accord? Si vous avez fait 0 en 35 secondes, il faut au moins réussir une fois. Si vous avez fait 1, il faut faire 2. Si vous avez fait 2, il faut faire 3. Et ainsi de suite, avec moins de temps. Ok? Sinon, c'est 5 sauts groupés, enchaînés. Ça roule? Ok. Mettez le palet sur votre palette. 3, 2, 1,
Top. Yes. J'ai échappé au saut groupé. Ok. Fin. Si vous avez égalisé ou pas fait mieux, c'est 5 sauts groupés. Lilo aussi, il a réussi, je crois. Ok. Faites vos sauts. Timéo, t'as réussi, t'as fait mieux. Voilà. Il y en a un à 4. C'est qui ça? Ah ouais, mais ça compte pas, il a pas sa caméra. Moi j'y crois pas. Moi je crois que ceux qui mettent leur caméra. Loan, 4 fois. Ah, faut mettre la caméra. Ah ouais, ouais, ben je vous crois. Regarde, moi je vais me mettre ici là. Ici. Voilà, je vais faire 5, je sens là. Là c'est le bon endroit pour en faire 5. Ok. 30 secondes. 30 secondes. Ah, faut battre son record, d'accord? Donc là, tu as 30 secondes, Baptiste, pour en faire 5. Moi, j'ai 30 secondes pour en faire 3. Je ne vais pas y arriver, je pense. Ok, attention. 3, 2, 1, top. Fini? Ah merde! Ah! Ok, j'ai raté. Donc, tous ceux qui n'ont pas battu leur corps en 30 secondes, c'est 5 sauts groupés. Ça marche? Moi, je vais faire des pompes parce que je suis vieux, j'ai mal au tendon, je peux pas faire les sauts groupés. Ok, c'est 17, demain c'est les 9-11, donc vous n'êtes pas concernés. Il y a du yoga ou pas demain? Je crois pas. Non, pour vous c'est fini pour la semaine. Semaine prochaine, ça reprend lundi, d'accord? D'ici là, ouais, Baptiste, on te croit. Baptiste, il met encore 3 fois. Bonne fin de semaine, à la semaine prochaine. Profitez-en pour regarder un peu les championnats du monde. Là, en ce moment, il y a les championnats du monde élite. Si vous allez sur le site de l'IIHF, l'adresse est iihf.com. Il y a les résumés des matchs. Alors, il n'y a que les buts. Il n'y a pas les matchs en entier, mais ça vous permet de voir les matchs internationaux. Et puis, il y a les playoffs NHL aussi. Voilà. Ça marche. Salut, bonne soirée. Ciao.